Donc, après avoir complété nos grains au niveau du texte, on va maintenant rajouter les ressources, comme par exemple cette image ici. Donc, pour cela, je vais chercher dans les images que j'ai stockées sur mon ordinateur, l'image que je souhaite insérer. Je prends mon image et je la fais glisser dans le dossier ressources que j'ai fait avant. Voilà. Ici, la petite croix blanche sur fond rouge indique qu'il y a un souci. Donc le souci n'est pas compliqué, c'est qu'il n'y a pas de propriété. Donc je clique sur la partie propriété et il me faut un titre. Ça, c'est la seule partie obligatoire. Donc ici, par exemple, chaîne d'énergie et chaîne d'information. Voilà. Chose importante surtout, si le document que vous produisez sera mis sur le réseau Internet, c'est de rajouter dans les métadonnées les licences. Donc ici, comme c'est un document que j'ai fait, je le déclare par exemple le fait qu'il faut indiquer mon nom, indiquer que je refuse que l'image soit utilisée pour une utilisation commerciale et que le copyright, enfin la licence en fait, ne soit pas modifiée. Dans la partie paternité, je rajoute mon nom. Et j'enregistre. Le document, vous voyez la petite croix blanche, hein, a disparu, donc le document est prêt à être utilisé. Donc je repars sur mon module pour le faire afficher. Ici, après le texte, je clique sous la petite astérisque, je clique sur ressources et je fais glisser ma ressource juste en bas. Voilà. Elle est maintenant intégrée à mon document. Je clique sur enregistrer pour rien oublier. Ici, donc, nous avons vu l'insertion d'une image, mais on aurait pu insérer tout type de ressources. D'ailleurs, on peut en voir la liste ici. Donc dans la partie ressources, on voit tout type d'images, des graphiques d'Open Document, donc d'Open Office, les tableaux, on retrouve les vidéos au format FLV, au format AVI, au format MOV. Il y a vraiment, tout est vraiment très très complet. Les formules mathématiques aussi, pas oublier nos collègues de maths.